Bonsoir à tous ceux qui s'intéressent à la culture de la lecture et de la très bonne lecture de la langue française sur les textes basés dans le manuel Popova Kozakova, manuel de français, le français. Добро пожаловать всем тем, кто хочет грамотно и корректно научиться читать по-французски. Сейчас мы продолжаем чтение текстов. Страница 287 в этом учебнике предполагает необходимость прочитать текст «Пьер Рулин, Кессье, Сюит». «Сюит» — это продолжение. Для тех, кто успел заинтересоваться судьбой исчезнувшего порядочного сотрудника банка, обнаружившего с утра седые волосы на своей голове и решительно возжелавшего изменить свою жизнь, мы продолжим чтение этого текста по-французски, правильно, методологически, корректно, для того, чтобы вы смогли научиться читать, повторяя за мной, прошлепывая одновременно со мной, останавливая запись и проговаривая за мной чтение фраз. Итак, поехали. Текст supplémentaire. Пьер Рулин, Кессье. Suite. L'idée de faire un trajet avec Moreau est insupportable à Pierre. Le bus arrive. Sans réfléchir, Pierre entre dans le petit café qui fait le coin. Assis au bar, il regarde passer le bus qui amène Moreau. Peu de temps après, il voit sortir sa fille. Elle se dirige en courant vers le métro. Voilà. Il va prendre le métro. Il sera un peu en retard. C'est en traversant la rue du banquier qu'il se décide à prendre sa voiture. Il pleut de plus en plus et Pierre a oublié son imperméable. 8h20, bah, il sera à la banque à 9h30 pour une fois. Au premier feu rouge, devant lui, une voiture immatriculée 13. 13, Marseille. Marseille. Pierre ferme les yeux. Il se souvient de cette petite plage à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Elle s'appelle comment cette plage? Le Paradou? Le Pistou? Marseille. Est-ce qu'il pleut à Marseille? Est-ce qu'on se baigne le 15 octobre à Marseille? Devant lui, la Renault immatriculée 13 a pris l'avenue du général Leclerc. Il l'a suivi. Porte d'Orléans, autoroute du soleil. Au bout de l'autoroute, Marseille. Bientôt la pluie s'est arrêtée. À midi, Pierre décide de quitter l'autoroute et de chercher un restaurant. Il fait beau. C'est en fin de journée qu'il a retrouvé la plage. Les villas sont fermées. Les bistrots sont déserts. La plage est là, déserte, à lui seul. Avec les touristes, les enfants, les chiens, les parasols ont disparu. La mer. Il ne l'a jamais vue ainsi, verte, sombre. Pierre s'est avancé vers la mer. À quel âge est-on vieux? Est-il vieux? Combien de temps est-il resté là, immobile, à regarder la mer? J'ai 46 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Là-bas, à Paris, la journée s'achève. Les Parisiens rentrent chez eux sous la pluie. Quelques-uns diront ce soir: je t'ai parlé de Pierre Rulin, mon collègue. Il a disparu, c'est incroyable. Un homme comme lui. Приятного следования по строчкам этого текста вашими пытливыми глазами, с умом, желающим освоить французский язык, который обязательно вам подастся при вашем усердии. Желаю успехов. Très bonne chance, bon courage et bonne suite.